Nous revoici dans Cinema 4D avec notre sapin en cours de modélisation. Donc, on a utilisé un déformateur, un cône, et on a donc modélisé cette forme texturée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les fonctions. On va utiliser la fonction dupliquer. Alors là, nous avons plusieurs paramètres. Le nombre de copies que l'on souhaite avoir, nous on en veut deux. Donc ça nous fera trois fois cette forme. On a les options. Donc nous on va se mettre en mode linéaire. Et grâce à cette option linéaire, on va pouvoir modifier la position de notre objet. Donc notre sapin fait 500 cm de hauteur à peu près. Et nous ce qu'on veut c'est le décaler sur l'axe Y, donc le soulever, de par exemple 300 centimètres. Là, c'est juste une visualisation en direct, hein, mais la duplication n'a pas encore été réalisée. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est rétrécir notre cône. Donc, pour cela, on va faire une mise à l'échelle et on va demander une réduction de nos objets. Voilà, à peu près comme ça. 40% pour la largeur et 60% pour la hauteur. On va même baisser la position. Et une fois qu'on est OK, on clique sur appliquer. Et une fois qu'on a appliqué, on a nos copies. Donc on peut, si on le souhaite, repositionner nos copies. Donc là, a priori, on a un rendu déjà bien. Si vous voulez, vous pouvez manuellement replacer ces copies. Donc là, ça va. On va cliquer sur notre sapin. On va même, avant ça, on va prendre notre cône numéro 1. Le dupliquer. On le place au-dessous du sapin, comme ceci. On va dupliquer notre matériau sapin, l'ouvrir, choisir une couleur marron, texturer ça en marron, et du coup, on a un tronc. Donc maintenant, on sélectionne notre sapin entier, on fait un Alt-G. Pour le grouper, on le renomme en sapin. Et maintenant, on peut le placer où on veut. Et il va très bien de ce côté-là. On va effectuer un petit rendu de la scène. Donc là, au plus il y a d'objets, au plus le rendu est long à se mettre en marche. Donc ce qu'on va faire, c'est juste prendre le cadeau jaune, le déplacer très légèrement. Notre sapin, pareil. Donc je pense qu'on est bon. On va essayer de trouver un angle de vue correct. Donc là, je pense qu'on est bon vraiment. On a un joli rendu. Une scène très poétique de Noël qui commence à prendre forme.